Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre invitation. La Fondation Eranos est un lieu célèbre, historiquement reconnu, et c'est donc un honneur pour moi d'être invité par vous. Je regrette de ne pouvoir être présent physiquement pour des raisons familiales, mais j'essaierai de remplir mon office par écran interposé. Le thème que vous nous proposez, la question des liens sociaux, est un thème philosophique, mais évidemment politique. Je serai donc amené à faire ce que je n'aime pas faire, c'est-à-dire de la philosophie politique. Mais rassurez-vous, ce ne sera pas de la vraie philosophie politique. J'espère que ce sera de la vraie philosophie. Donc, la question du lien social, je vais la prendre en vue de l'éclairer par la question plus ancienne du bien commun. C'est-à-dire, je voudrais tenter de lier la question politique avec une réponse qui n'est pas politique, puisqu'elle est en fait, en dernier ressort, sans doute théologique, c'est-à-dire la question de la communion. C'est-à-dire que le lien social n'est pas, telle sera ma thèse, une affaire de communication, comme on ne cesse de le répéter, mais une affaire de communion, comme on ne le dit pas assez. Alors, je procéderai en 5 moments. Je pense que l'interruption se fera au milieu du troisième. Premièrement, la défaillance de la liaison sociale. Deuxièmement, l'origine de cette défaillance qui est, sous un regard proprement métaphysique, le nihilisme. Troisièmement, l'enjeu essentiel du nihilisme qui est la question de la chose, la res. Quatrièmement, l'interprétation de la res, de la chose, à partir du don, du caractère inconditionnel du don, et enfin la question du bien commun. Cinquièmement. Donc, la défaillance du lien social, de la liaison des individus dans une communauté politique. Pour m'en tenir à ce que je connais le moins mal, je m'en tiendrai à la situation française. La France, pour le meilleur et pour le pire, a choisi comme slogan ou comme devise « Liberté, égalité, fraternité ». Il est bien clair que les trois termes sont imprécis. Et cette imprécision même est la seule manière de les présenter comme formant un ensemble cohérent. Car sitôt qu'on tenterait de les préciser, les difficultés, pour ne pas dire les contradictions, apparaîtraient immédiatement. Il est assez aisé de voir les difficultés. La liberté est évidemment entendue ici dans un sens restreint, mais déjà trop large. S'agit-il de la liberté d'opinion? S'agit-il de la liberté de conscience? Implique-t-elle aussi la liberté religieuse? Cette liberté est-elle
une simple résistance à la tyrannie ou une exigence positive. Et surtout, nul besoin d'être marxiste pour le remarquer, cette liberté est évidemment conçue ici, selon la plus parfaite abstraction, supposer que cette liberté soit définie précisément, chacun des bénéficiaires de cette liberté aurait les moyens effectifs de la mettre en œuvre. Ce qui nous mène directement au second élément, égalité. L'égalité est-elle une égalité formelle, une égalité des chances, comme on dit, ou bien une égalité réelle, c'est-à-dire une égalité qui, d'une façon ou d'une autre, serait une égalité économique. Cette question fondamentale durant tout le XIXe siècle n'est évidemment pas résolue, concrètement aujourd'hui. Elle est même l'objet de la plupart des revendications sociales en France comme dans tous les pays démocratiques. Mais il y a, en dehors de l'inachèvement inévitable de la demande d'égalité, en dehors même des questions de savoir jusqu'où l'égalité doit aller, se pose la question, elle fondamentale, et de principe, la liberté et l'égalité peuvent-elles coexister? Est-ce que l'égalité, pour devenir réelle, ne devrait pas contredire ou limiter la liberté? Est-ce que la liberté n'induit pas dans la réalité la production des inégalités intellectuelles, sociales, économiques? Donc on pourrait dire que les sociétés, disons, européennes et assimilées, ouvertes sur le marché libre des choses et des finances, sont toujours affrontées à la contradiction possible, à tout le moins l'inadéquation l'une à l'autre, de la liberté et de l'égalité. Cette question est l'horizon de développement de la vie démocratique. C'est une crise qui est permanente. C'est une crise qui n'est pas nommée, qui est masquée par des crises conjoncturelles, économiques, sanitaires, etc. Mais c'est l'horizon même, enfin plutôt le sol, de toutes les discussions. Quant au troisième terme, la fraternité, c'est le plus problématique. Le président de la République française a maintenant la coutume, quand il prend la parole, de mettre un écusson derrière lui, à côté du drapeau français et du drapeau européen, soulignant, en tout cas, il est inscrit en lettres d'or, fraternité. Je suppose qu'il exhibe la fraternité précisément parce que c'est ce qui nous manque le plus. Je ne sais pas si la Confédération helvétique est un bon exemple de fraternité. Je ne voudrais pas m'avancer sur ce sujet difficile, mais je peux bien dire sans aucun risque que la société française est en déficit de fraternité. Elle est en déficit de fraternité, comme le prouvent les débats hystériques à propos de la politique de santé, de la politique sanitaire, des vaccins, etc. aujourd'hui. Mais elle est évidemment, la fraternité, elle est manquante sur la question de l'immigration, elle est manquante sur la question de la solidarité sociale, elle était manquante à propos des débats sur le mariage pour tous, elle est manquante sur les questions du rapport entre l'État et l'Église catholique, elle est manquante en général. Et il est bien clair que la problématique de la relation de l'Union européenne avec les populations qui tentent d'immigrer chez nous est une question de fraternité. Et il est bien clair, il suffit d'avoir suivi les remous provoqués par l'encyclique pontificale Fratelli Tutti, pour voir que la fraternité est justement ce qui nous manque. D'une certaine manière, nous n'avons aucune envie d'être frères de tous les hommes
puisque d'ailleurs nous sommes bien incapables d'être frères dans une nation. On pourrait même dire d'ailleurs que l'idéal de fraternité est tout à fait problématique. Il n'est pas nécessaire d'être un lecteur assidu de René Girard, mais il suffit de lire Shakespeare ou Sophocle pour voir que la fraternité, c'est précisément l'origine ou le cas particulièrement favorable pour la rivalité mimétique, c'est-à-dire pour la violence. Être frère, être jumeau, c'est justement ce qui favorise le plus l'éclatement du lien social. Donc être frère, c'est pouvoir, en un premier temps, être le rival de mon prochain. Et plus ce prochain est proche, plus j'ai des raisons d'être en rivalité avec lui, c'est-à-dire de le tuer. Tuer son frère, depuis Abel et Caïn, c'est une des règles fondamentales de la vie politique ou de la vie non politique de l'humanité. Donc, liberté, égalité, fraternité est un slogan ou une devise extrêmement intéressante parce qu'elle est intenable. Et nous autres Français, spécialistes des guerres civiles, larvées ou déclarées, nous pouvons en témoigner. Mais la faute n'est pas uniquement à la devise française. Elle est, dans son fond, assurée par ce que l'on pourrait nommer la difficulté, voire l'inaccessibilité de ce que cette devise est censée mettre en œuvre, à savoir le contrat social. Je m'étonne, plutôt je ne m'étonne pas, que la philosophie politique contemporaine devienne de plus en plus discrète sur la notion de contrat social, qui fut pourtant la base théorique de la révolution de 89 et de celles qui l'ont précédée et de celles qui s'en sont inspirées ensuite. Le propre du contrat social, c'est que Rousseau est sur ce point d'une clarté absolue et d'une lucidité admirable, c'est que il ne s'agit pas d'un contrat général, ou plutôt il ne s'agit surtout pas d'un contrat qui serait basé sur le compromis, dans le style d'une grosse coalition, de compromis entre des intérêts divergents que par discussion, aménagement, on ferait néanmoins converger sur un programme minimum. La volonté, le contrat social repose sur la volonté générale, c'est-à-dire sur ce qui est irréductible à la somme des intérêts particuliers. La volonté générale, comme la Jérusalem céleste dans l'Apocalypse, à proprement parler, tombe du ciel. D'un ciel qui est peut-être vide, mais enfin, elle tombe du ciel, elle ne monte pas de la base. Et c'est pourquoi la volonté générale reste, Rousseau le souligne, hautement problématique. Elle suppose, d'une certaine manière, la mise entre parenthèses de la subjectivité du désir. Le désir, pour autant qu'il est individuel, suppose évidemment une singularité, singularité empirique liée aux individus, singularité liée à la diversité des objets du désir, c'est-à-dire singularité du besoin. Et en un sens, dans le cas des compromis sur des désirs individuels, il s'agit toujours en fait de liens, d'une gestion de la pénurie. D'ailleurs, tout à fait remarquable que la notion de pénurie soit fondamentale dans la définition des sociétés modernes. La pénurie est évidemment l'envers de la diversité des désirs et de la définition des besoins. Dans tous les cas,
Il s'agit d'une généralisation des singularités dans le cas de l'accord social par compromis. Il y a, d'une certaine manière, dans les situations de compromis politique qui permettent à une société de se fonder, deux non-dits. Le premier, on l'a remarqué, du moins beaucoup de penseurs traditionnalistes du moins l'ont remarqué, il n'y a jamais eu un seul contrat social réel. Aucune société ne s'est constituée par contrat. Les sociétés se constituent, se reconstituent, se réaffirment par modification d'un contrat qui n'a pas eu lieu. Les constitutions sont toujours des réécritures d'une situation passée qui est modifiée, renversée, améliorée et peut-être durablement, mais d'une constitution précédente qui n'a jamais été écrite. Le fait qu'il n'y ait pas de constitution écrite au Royaume-Uni, par exemple, est absolument essentiel. On peut dire qu'aucune constitution n'est véritablement constitutive. En France, la constitution de la Ve République, qui est considérée maintenant comme un monument, est sans cesse corrigée, et surtout, elle est une immense correction de la constitution de la IVe et de la IIIe République. Et sans cette correction, elle ne serait pas, comme elle est encore actuellement, la base de tous les aménagements conjoncturels qu'elle subit. Mais cette absence de contrat social effectif, historiquement initial, ne fait que, c'est le deuxième point, que manifester ce qu'on pourrait appeler la dissolution de l'universel. Ce que nous appelons actuellement une société, une cohérence sociale, est basé sur le compromis entre des intérêts collectifs ou individuels divergents et empiriquement vérifiables, mais sans doute inconciliables, et la volonté générale. La volonté générale n'est jamais l'objet du débat, me semble-t-il, ou très peu. On pourrait dire que c'est la raison pour laquelle nos sociétés sont, c'est peut-être inévitable, sont essentiellement en conflit. Les conflits quotidiens, les conflits qui font du débat politique, ne sont que les avatars d'une situation essentiellement conflictuelle, c'est-à-dire l'absence de l'universel et le caractère fictif du contrat social. Et c'est pourquoi il n'y a pas de pessimisme névrotique à dire que la Stimmung, l'état d'esprit fondamental des sociétés occidentales, démocratiques, j'inclus évidemment les États-Unis et l'Amérique du Sud dans cette expression vague, l'état fondamental des citoyens de ces sociétés est ce que Nietzsche a thématisé sous le titre du ressentiment. Le ressentiment est la force réelle de la vie politique. Sous toutes ses formes, les revendications politiques, les partis politiques, les décisions politiques gèrent et s'appuient sur cette source d'énergie infinie qu'est le ressentiment. Et c'est donc à ce niveau qu'il faut poser le problème. La difficulté d'établir des liens sociaux tient à l'hégémonie du ressentiment. Je ne porte pas là un jugement moral, j'essaie de décrire une situation. Je ne sais pas s'il y a une époque à partir de laquelle le ressentiment est devenu
le ressort de la vie démocratique. Peut-être l'a-t-il toujours été. Peut-être d'ailleurs est-ce un moindre mal. La question n'est pas là. La question est que ce qui menace le lien social, la cohésion des sociétés, et ce qui évidemment nourrit la violence, c'est le fait que les citoyens, sous le nom de la justice sociale, sous le nom de l'égalité, de la liberté, agissent profondément selon le ressentiment. Je pense qu'aucun d'entre nous n'en est indemne. On pourrait même dire que les intellectuels sont les plus grands consommateurs de cette énergie spirituelle qu'est le ressentiment. D'où, troisième point du diagnostic, la question de l'objet du ressentiment, de l'objet du désir. L'objet du désir, c'est évidemment, nous y reviendrons, le principe proprement métaphysique qui a été si bien thématisé par Spinoza, pour Spinoza, il s'agit du désir le plus fondamental de tout étant, le conatus in suo esse perseverant, le désir de persévérer dans son être. Ce que disant, il est d'ailleurs en conformité avec une tradition beaucoup plus ancienne, puisque ceci se retrouve chez saint Thomas et de très nombreux autres penseurs. Être est bon, il est donc normal de désirer d'être et de désirer d'abord son propre être, puisque, comme dit saint Paul, personne ne hait sa propre chair, ce qui est d'ailleurs bien optimiste. Le désir privilégie soumesse. La question de la modernité est de savoir comment le désir de persévérer dans son être s'est thématisé. L'objet qui n'est pas obscur du désir, quel est-il? Quand on dit son être. Je dirais que cet objet, son être, a comme caractéristique moderne, quand je dis moderne, j'entends que nous ne sommes plus dans la modernité, mais au-delà. C'est pour ça que nous pouvons jeter un regard à peu près critique, sinon objectif, sur elle. Laisser l'être de la chose, nous le pensons comme objet. L'objet se définit par son caractère standardisé. Nous reviendrons sur ce qu'est un objet. Mais l'objet, c'est justement ce que je peux connaître. Ce qui, de toute façon, dans l'expérience, peut être connu. Descartes a une formulation extraordinairement précise de l'objet dans la deuxième des règles pour la direction de l'esprit. Il dit que pour avoir une connaissance certaine, il faut ne garder de l'expérience que ce qui rend son objet certain. Écarter de l'expérience tout ce qui rend l'objet incertain. Qu'est-ce qui rend l'objet incertain? C'est précisément l'indétermination de sa matière, au sens des Grecs, où justement la matière est le lieu non seulement de la matérialité, mais essentiellement de l'indétermination. La matière est indéterminée, seule la forme l'est. Et le propre de la forme, c'est qu'elle fait, pour autant qu'elle le peut, la conquête de la matérialité et de l'indétermination. L'objet, au contraire, c'est ce qui retient le moins de matière possible de l'expérience et donc ce qui, d'une certaine manière, est toujours le même. Qu'est-ce que c'est que l'objet dans la contemporanéité? C'est évidemment, dans le domaine de la matière, ce qui est le plus défini dans la matérialité,
un logisticien de mes amis que j'avais rencontré, avec qui je parlais ces choses, m'avait dit cette phrase que je n'oublierai pas. Dans le monde contemporain, celui de la mondialisation des échanges, rien au monde de matériel est tel qui ne pourrait pas entrer, démonter d'une manière ou d'une autre, dans l'espace d'un conteneur. Et rien d'immatériel n'est tel qu'il ne puisse se transmettre par le codage informatique 0-1. C'est-à-dire que dans cette décomposition, cet emballage, cette communication et ce transfert, toute chose peut devenir un objet. Et toute chose devient un objet. Ce changement capital de notre rapport au monde s'est fait en deux temps. D'abord, quand l'homme a été conçu, disons, c'est l'analyse de Marx, comme le producteur d'objets, et quand l'homme est devenu, c'est l'analyse du XXe siècle, de Keynes et d'autres, le consommateur de ces objets. L'homme est à la fois le producteur et le consommateur des objets, mais les objets sont tous déterminés, standardisés et, si possible, mis en conformité avec la formulation la plus simple de leur transfert, de leur communication, le conteneur et le code informatique, c'est-à-dire que le monde est devenu la forge des producteurs et des consommateurs qui sont liés, et ils sont le même est à la fois le producteur et le consommateur, qui sont liés par l'objet qu'ils échangent et qui sont d'une certaine manière les accessoires, les serviteurs de l'objet qu'ils produisent et qu'ils échangent. L'analyse marxiste du travail aliéné se reproduit à l'identique dans l'analyse post-marxiste du consommateur aliéné. Le consommateur aliéné est la forme achevée du travail aliéné, du travail libre. Et c'est pourquoi la question d'une consommation libre et non aliénée se pose aujourd'hui. Dans ce, je termine mon premier point, dans ces situations, évidemment, je brosse à grands traits et en simplifiant, j'en suis conscient. Mais la simplification ici peut parfois éclairer. Il est bien clair que le lien social disparaît parce qu'il n'a pas lieu d'être. Si c'est l'objet qui unit le consommateur et le producteur, et si c'est toujours le même objet standardisé qui unit tous les hommes en tant que consommateurs et que producteur, alors l'objet est, comme l'argent dans les analyses classiques de l'économie, l'universel échangeur. Il est le lien universel. L'argent est le lien universel entre des choses qui n'ont aucun rapport entre elles. C'est l'analyse classique d'Aristote aux Anglais, le 17e. Et de la même manière, l'objet est l'intermédiaire universel entre des sujets consommateurs et producteurs qui n'ont plus rien d'autre en commun que l'échange d'objets. Et c'est la raison pour laquelle la notion de fraternité n'a pas lieu d'être. Si la fraternité n'est pas atteinte, c'est bien entendu parce que nous sommes tous pleins de ressentiments, méchants, etc., etc., mais cette analyse morale est tout à fait insuffisante. Si la fraternité est en défaut, c'est parce qu'elle est inutile. La grande circulation de la globalisation n'est pas basée sur la fraternité. Elle est basée sur la standardisation de l'objet qui met en rapport des consommateurs et des producteurs qui n'ont rien d'autre en commun que cet objet même. Et cet objet étant irréel, artificiel, il n'y a aucun besoin de mettre directement en communication par la fraternité ou quelque autre instance que l'on voudra les individus en question. Telle est la raison profonde de la défaite du lien social. Et donc, je ne peux pas être, comme on dit dans le droit canon, à propos des procès en annulation de mariage, je ne peux pas être ici le défenseur du lien. Je ne crois pas qu'il y ait de défense possible du lien dans cette situation. D'où mon second point.
qui porte sur le nihilisme. Il faut bien entendu prendre ici la mesure de ce dont la disparition du lien est la conséquence. Il me semble qu'il serait bienvenu de lier cette situation à ce que Nietzsche a analysé sous le terme de nihilisme. Non que Nietzsche soit le premier à parler de nihilisme, on le sait, mais parce que Nietzsche est celui qui a élevé le nihilisme au niveau d'un concept, et en a montré les applications, et il n'en s'est pas tenu à une constatation psychologique ou sentimentale, ou même religieuse particulière. Nietzsche a dit « Le nihilisme se tient à la porte de l'Europe ». Nous savons maintenant qu'il ne se tient plus à la porte, qu'il est entré depuis longtemps. Il n'est pas un fantôme qui nous menace, il est une puissance qui nous gouverne. En quoi consiste le nihilisme ? Nietzsche en a donné une définition fameuse que je me permets de rappeler, tout le monde la connaît, elle est dans les Nargelas und Fragmente de 1847, le 9-35, dans l'édition Collimantinari 8-2, page 14. Que signifie le nihilisme ? Que les plus hautes valeurs se dévalorisent. Sich entwerten. Alors, ce texte mérite un commentaire. Que signifie que les plus hautes valeurs se dévalorisent ? Alors, bien entendu, en un premier temps, cela veut dire que les plus hautes valeurs, par exemple liberté, égalité, fraternité, la vérité, le libre arbitre, Dieu, perdent leur valeur. Et ça, c'est une constatation relativement banale. Si Nietzsche n'avait dit que ça, finalement, il n'aurait pas dit beaucoup plus que ses prédécesseurs ou ses successeurs immédiats. La perte de valeur, en soi, peut être considérée comme la condition pour la renaissance d'autres valeurs. Ce qui est plus fondamental, c'est de comprendre que pourquoi certaines valeurs perdent de la valeur. Bien entendu, c'est parce qu'on n'y croit pas, parce qu'on ne les éprouve pas, parce qu'on ne peut pas les mettre en œuvre, etc. Mais pourquoi ne peut-on plus les mettre en œuvre ? Pourquoi deviennent-elles inefficientes ? Pourquoi n'y croit-on plus ? Réponse, parce que ce sont des valeurs. Ce qui dévalorise la valeur, ce n'est pas seulement qu'elle perde de la valeur, car après tout, ce qui augmente de valeur est tout aussi fragile que ce qui en perd. Il est très frappant de voir que la notion de valeur est une notion finalement boursière, monétaire. La valeur est une convention. Une convention qui permet justement son évolution, son évaluation. Le propre de la valeur, c'est qu'elle n'en a pas en elle-même. Et c'est pourquoi elle peut varier, elle doit varier. Une valeur, c'est ce qui peut se dévaluer parce que cela doit s'évaluer d'abord. Ce n'est pas une chose qui tient en elle-même. C'est comme un objet qui dépend des conditions de sa fabrication, des conditions de son utilité et donc de sa consommation. C'est-à-dire, ce qui n'est rien sans sa mise en œuvre, sans sa fabrication et son usage, qui sont deux mises en œuvre. Donc, la valeur n'est pas une chose en soi. Elle est aliénée à elle-même. Une valeur en soi n'existe point. Même l'or n'est pas une valeur en soi, parce qu'il n'y a pas de valeur en soi. L'or est une valeur qui d'ailleurs ne monte
que quand les autres valeurs matérielles sont moins d'usage ou moins utilisables, moins disponibles, moins désirées, et donc l'or n'est pas une valeur. Il n'y a pas d'étalon or, même si on peut baser un système monétaire sur l'étalon or. Mais en fait, il n'y a pas d'étalon or. L'or est une convention, l'or est une valeur. Donc fondamentalement, ce qui fait que les plus hautes valeurs se dévaluent, ce n'est pas qu'on cesse de les valoriser, c'est qu'on les a valorisées. Les plus hautes valeurs se dévaluent parce qu'elles sont des valeurs, parce qu'on découvre d'un seul coup qu'elles ne sont que des valeurs, que ce qui était sacré est simplement une valeur. C'est une manière de dire « la chose est nue », comme on dit « le roi est nu ». Il n'est plus qu'une valeur. Et il ne reste valide qu'en tant que valeur, résultat d'une évaluation à minima. Monarchie constitutionnelle. La monarchie constitutionnelle est la monarchie de droit divin dévalorisée, qui dépend du consensus de ceux qui ne sont pas le roi. C'est donc l'inverse d'un roi. C'est donc un roi dévalorisé. C'est une valeur. Donc, la valeur est l'accomplissement, si je puis dire, du processus de production et de consommation de l'objet. La valeur, c'est la chose aliénée à celui qui la produit et celui qui la consomme, à l'objet. C'est un objet. La valeur, c'est le moment où la chose en soi, katoto, comme disait Aristote, enoto, disparaît et ne reste qu'à titre d'objet évalué. Alors, comment est-ce que cette disparition se produit-elle? Songeons à Aristote qui pense la chose, veut penser la chose en soi, comme telle. Le problème est que pour penser la chose, il faut lui donner sa définition. Et sa définition dans ce qui fait qu'elle est ce qu'elle est. Alors bien entendu, on peut donner une définition relativement précise de la chose, dans son genre, dans son espèce, et on peut peut-être aller plus loin en précisant outre son génos et son eidos, quels sont les accidents, les attributs qui lui reviennent par soi. Par exemple, toute surface a une couleur. Donc on peut dire que la couleur peut varier, mais qu'il n'y a pas de surface sans une certaine couleur. Alors, la couleur va donc être un accident par soi, bien qu'il reste indéfinissable, puisque la couleur peut varier le doigt la plupart du temps. Donc, il va y avoir en quelque manière une approche avec les accidents par soi de l'individualité, mais l'individualité comme telle ultimement ne va pas pouvoir être définie. Et donc la dernière définition, la dernière délimitation, orismos, va porter sur le toti en einai, le ce que c'était jusqu'alors que d'être pour cette chose, qui est une assomption répétitive de l'essence encore inconnue de la chose, mais qui peut se prolonger à l'avenir. Mais bien entendu, le toti en einai comme tel ne peut pas être défini. Il peut être constaté dans son accomplissement, en acte, mais il ne peut pas être défini en termes universels, puisque précisément, il s'agit de définir l'individualité. Et, comme on sait, ce qui est individuel ne peut pas se définir. On voit donc qu'il y a toujours un écart entre la connaissance de la chose et la chose en tant que telle, en soi, katoto. Et cet écart, Aristote lui-même ne peut pas le franchir. Pourtant, cet écart a été franchi. Il a été franchi par l'ontologie moderne,
Je rappelle qu'il n'y a pas d'ontologie moderne, que le terme apparaît qu'au milieu du XVIIe siècle, et que donc on ne peut pas parler d'ontologie, par exemple aristotélicienne. L'ontologie a consisté à s'en tenir à l'équation suivante: ce que nous connaissons ultimement de la chose, en l'occurrence de l'objet, c'est cela qui en est l'essence. C'est-à-dire ne pas dire l'étant en tant qu'étant, mais dire l'étant en tant que connu. Ce qui, dans le langage des premiers ontologistes du XVIIe, se disait « ens ut cogitabile » ou « ens ut intelligibile ». L'étant en tant que connu, l'étant noétique. Étant bien entendu que ce qui est connu est forcément plus vaste, moins défini que la chose même. La chose n'est jamais, à ce moment-là, qu'un cas particulier, un exemple, une vérification empirique et provisoire de ce qui est connu, à savoir le concept de cette classe de choses. L'ens ut cogitabile est donc un substitut de la chose en soi, mais non pas son équivalent. La chose en soi n'est pas connaissable comme telle, elle n'est connaissable que pour autant que nous pouvons produire une approximation et un substitut intelligible à son accidentalité fondamentale. Et c'est pourquoi il y a un écart entre la chose en soi et l'objet. Kant l'a définitivement établi, et ceci est l'horizon de toute la théorie moderne de la connaissance. Alors, il faut se demander qu'est-ce qui est perdu et qu'est-ce qui est gagné lorsque nous substituons l'objet à la chose en soi. Encore une fois, revenons à Descartes. Le problème de Descartes, dans la règle 2, c'est de dire que si nous voulons connaître certainement une chose, nous devons nous en tenir à ce que l'expérience ne rend pas incertain. Comment l'expérience rend-elle une connaissance incertaine? En tenant compte de sa matérialité, c'est-à-dire essentiellement, je l'avais dit, non pas de son matériau, mais de sa variabilité et de son indétermination. Ainsi, Descartes déclare que nous ne retiendrons de l'expérience que ce qui se rapproche le plus des critères des mathématiques, qui sont les deux sciences, géométrie et arithmétique, les seules sciences absolument certaines, et dont il faut généraliser le procédé, à savoir la mesure de l'étendue, donc réduire les choses à leur étendue pour pouvoir les mesurer, et d'autre part, l'ordre dans lequel les différents paramètres se trouvent ordonnés pour construire ce que nous appelons aujourd'hui un modèle. En fait, Descartes, en disant ordo et mensura, les deux critères de la metesis universalis, définit déjà ce que nous respectons absolument: toute chose est quantifiable, et les quantités, les paramètres, doivent être organisés dans un modèle. Quand on peut modéliser des paramètres, on produit un objet. Et l'objet est donc d'abord un concept. Ainsi, quand nous travaillons sur des objets, nous procédons, au sens strict, à une immatérialisation de l'expérience. Cette immatérialisation de l'expérience veut dire que nous faisons abstraction de tout ce qui ne peut ni se paramétrer, ni se modéliser. Gaston Bachelard, dont le travail n'est pas toujours actuellement utilisable, a néanmoins marqué très bien ce que c'est qu'un objet de laboratoire, un objet scientifique. Un objet scientifique, dit-il, c'est la réalisation d'un concept. On pourrait dire que, retourner la chose en disant que c'est la conceptualisation
de l'expérience, qui est donc en quelque manière abstraite de sa matérialité. Notre société, notre rationalité n'est pas une rationalité matérialiste, contrairement à ce qu'on croit, à ce qu'on dit du moins. Le matérialisme est précisément, rendons hommage à Lénine, qui à sa façon a été un bon philosophe dans matérialisme et empirocriticisme, le matérialiste n'a pas besoin du concept de matière. Il a même besoin, au sens moderne du terme, puisqu'il est en fait une pensée de la technique, le matérialisme est basé sur la modélisation et la paramétrisation qui conduit à l'objet, c'est-à-dire à l'immatérialisation de l'objet. Notre société n'est pas matérialiste parce que le sensible de l'expérience, est devenu non seulement l'ennemi de la pratique technique, mais ce que nous sommes de plus en plus incapables d'éprouver, de connaître, et dont nous ne savons même plus jouir. Nous sommes dans une société la moins matérialiste qui soit, la moins sensible qui soit, et c'est d'ailleurs pourquoi nous sommes aussi dans une société qui n'est pas érotisée. La moins érotisée qui soit. Pourquoi elle est la plus pornographique qui soit ? Parce qu'elle n'est pas érotisée. Ainsi, on comprend beaucoup mieux l'emprise que l'objet, donc sa réduction à la valeur, donc l'impossibilité de la communauté, nous comprenons beaucoup mieux d'où ce problème vient. D'où je voudrais esquisser le passage à mon troisième point. La question est donc de savoir si nous pouvons avoir accès, pour qu'il y ait un lien social, à autre chose qu'à des objets ou à des valeurs. Car les objets et les valeurs ne lient pas, étant le résultat du sujet qui les produit et qui les échange, ils mettent simplement en compétition. Et donc, le ressentiment est une Stimmung suffisante pour les gérer, sous la forme de la compétition, de l'émulation, de l'accroissement, de la montée de puissance, etc. Donc la question qui se pose est de savoir si nous pouvons être en rapport au-delà ou en deçà des objets et des valeurs à la chose même. Alors bien entendu ici, il faudrait entrer dans une longue analyse de ce que c'est qu'une chose. Ce travail, Heidegger l'a plus qu'esquissé dans différents textes. Qu'est-ce qu'une chose, Wasserheim-Denken ici, et puis les conférences de Brehm, qui sont l'un des sommets de sa dernière période. Je n'y entrerai pas aujourd'hui. Je voudrais néanmoins faire, avant la pause, deux remarques introductives à cette question. Sur la question du nihilisme de la valeur, on entend beaucoup parler, chez les gens qui sont un peu sensibles au problème du nihilisme, qu'il faut réagir contre le nihilisme, contre la perte des valeurs, comme ils disent, en défendant des valeurs. Le Parti socialiste français avait l'habitude de dire qu'il allait se battre sur ses valeurs. Les présidents de la République, à chaque attentat ou à chaque grosse vicissitude, font appel aux valeurs de la République. Les mouvements, disons conservateurs,
veulent défendre les valeurs traditionnelles. Il faut comprendre que, sitôt qu'on invoque des valeurs, j'allais dire quelles qu'elles soient, d'ailleurs, c'est souvent les mêmes d'un bout à l'autre de l'éventail politique. Défendre des valeurs, ça n'est pas s'opposer au nihilisme, c'est le confirmer. Parce que si on défend les valeurs, ça veut dire, comme nous l'avons vu, qu'on admet que ce sont des valeurs, que leur solidité, leur valeur, ne dépend que de la puissance de ceux qui les soutiennent. En d'autres termes, s'il y a 10 000 personnes dans la rue pour défendre des valeurs, elles sont moins bien défendues que s'il y en a 100 000. Et s'il y en avait 1 million, elles seraient bien mieux défendues. Donc ces valeurs ne tiennent pas par elles-mêmes. Défendre des valeurs, c'est reconnaître qu'elles sont des valeurs, c'est-à-dire qu'elles n'en ont pas, qu'elles ne sont pas en soi. Ce qu'il faudrait, si on voulait résister au nihilisme, ça consisterait à dire que la liberté, la démocratie, la famille, la morale, Dieu, la patrie, le travail ne sont pas des valeurs. Ce sont des réalités, et des réalités que nous ne défendons pas, mais qui nous défendent nous. En d'autres termes, il ne faut pas dire, et c'est ce qui fait que bien des chrétiens blasphèment, qu'ils défendent Dieu. La révélation judéo-chrétienne consiste à dire que c'est Dieu qui nous défend, qui nous défend d'ailleurs essentiellement de nous-mêmes. Mais c'est Dieu qui nous défend, ce n'est pas nous qui défendons Dieu. Si nous défendons Dieu, Dieu n'existe pas, il est une idole. Ou alors, il existe, mais il n'est pas Dieu, peu importe. Donc, défendre les valeurs, c'est les condamner. S'opposer au nihilisme, c'est dire qu'il y a des réalités qui ne se réduisent pas à des valeurs et que la sagesse consiste à s'appuyer sur ce qui n'est pas une valeur et à laisser les valeurs à ceux qui n'ont qu'eux-mêmes pour se défendre. La deuxième remarque concerne l'objet. Le propre de l'objet, c'est que, pouvant être produit à l'identique, ou presque, il peut être consommé par n'importe qui, ou presque. Et c'est bien ce qui fait son prestige. L'objet est universel. Il est universalisable parce qu'il ne dépend pas de la contingence de la matière ni de la temporalité. C'est pourquoi ce qui est objet assure une sécurité. Il y a une sécurité de l'objet. L'objet peut évidemment devenir caduc, être consommé, être perdu, être fracturé, mais il peut être remplacé. L'objet est toujours là. De droit, il peut toujours revenir. Donc l'objet est en quelque manière l'indice, le signe, et si je puis dire, l'incarnation d'un présent qui dure. Le propre du présent, c'est la théorie métaphysique classique du présent, du temps, c'est qu'il se réduit au présent, le présent se réduit à l'instant, et l'instant ne dure pas. L'objet, lui, dure. Du moins, le pensons-nous. Et c'est pourquoi l'objet nous rassure. L'objet est une assurance contre la ponctualité de l'instant, c'est-à-dire la nullité du temps. Ce faisant, nous pensons que posséder l'objet, nous ne le pensons pas, nous agissons spontanément ainsi. Posséder l'objet nous donne du temps. Ou plutôt, nous assure du présent. L'objet est une assurance temps, comme il y a des assurances vie, qui sont en fait des assurances sur la mort, c'est-à-dire les vies de vie. Le problème est de savoir si nous pouvons posséder l'objet, ou plutôt, que signifie la possession de l'objet ? Est-ce que la possession de l'objet est une
réalité, nous ouvre à une réalité. Ce sont ces deux questions sur la valeur et le fait que invoquer les valeurs revient à approfondir le nihilisme, et sur l'objet comme l'assurance présent, l'assurance temps, si ces deux demandes permettent d'accéder à la chose même. Nous verrons ceci après la pause. Nous en étions arrivés au point de nous demander s'il était possible de se défaire de l'évaluation des choses et de l'objectivation des choses. S'il était possible d'avoir accès à la chose katoto en soi. J'avais donc remarqué que le propre de la valeur, c'est de n'en avoir pas en soi, et que le propre de l'objet, c'est de nous donner l'impression, fausse, nous allons le voir, d'une possession du présent, et donc d'une certaine manière d'une possession de soi malgré le temps. C'est cette possession de soi par l'objet qu'il faut ici mesurer à sa juste, plutôt à son injuste ambition. Ce qui est possédé, l'objet, doit censément nous donner la possession du temps durant lequel l'objet dure, c'est-à-dire nous assurer d'un présent. Mais à supposer que l'objet puisse durer, ce que nous admettrons sans l'examiner, nous ne durons pas. Le tombeau du riche demeure, mais pas le riche. Et comme me rappelait un médecin cardiologue d'une sagesse de bon ton, on n'a jamais vu un coffre de banque suivre un corbillard. Ou plutôt, à supposer qu'un coffre de banque puisse suivre un corbillard, le mort du corbillard ne posséderait pas le coffre de banque. Et si nous pouvions transformer en le touchant tout ce que nous touchons en or, ceci ne suffirait pas à ce que la possession nous assure la survie. Ce qui est possédé se perd, ou plutôt celui qui possède ne se possède pas lui-même et se perd. C'est un point absolument essentiel que de voir que la possession perd. La possession perd celui qui la possède parce que la possession ne se possède pas elle-même. Alors, ceci semble un paradoxe, et pourtant c'est le paradoxe le plus clair
qu'impose la mort. La mort est la définition fondamentale de notre rapport au temps. Et rien n'échappe à cette règle. La mort détruit la possession. Et ce qui est fait pour être possédé n'assure pas contre la mort. C'est même d'ailleurs la logique qui permet de comprendre pourquoi, de manière extraordinairement publique et donc extraordinairement naïve, ceux qui possèdent aujourd'hui et qui possèdent les moyens de la recherche clament, encore une fois avec une naïveté confondante, leur désir d'échapper à la mort par des moyens techniques qui relèvent plus de la science-fiction qu'autre chose, mais qui sont l'indice que le fond de l'affaire est là. Y a-t-il une possession qui nous assure sur la mort? Et bien entendu, la possession n'assure rien. Et n'assure rien sur la mort. Elle n'assure rien parce qu'elle n'assure rien sur la mort. Et c'est ici que un proverbe, dont je ne sais l'origine, prend une autre résonance. Ce proverbe, assez répandu, et dont je ne sais donc l'origine, dit que seul ce qui se donne est sauvé, que tout ce qui n'est pas donné est perdu. Seul ce qui se donne est sauvé, tout ce qui est possédé, gardé, est perdu. Alors, ce paradoxe, et ne disons pas de mal du paradoxe, car il est en quelque manière le ressort de la pensée, permet a contrario, d'en conclure que seul ce qui est donné me sauve, parce que ne sauve que ce qu'on donne. Ici, bien entendu, on ne peut qu'entendre la formule des évangiles synoptiques, où le Christ dit, Matthieu 10, 39, « Celui qui trouve son âme la perdra, et celui qui perdra son âme la trouvera. » Ou encore, 16, 25, « Celui qui veut sauver son âme, la perdra. Et celui qui perd son âme, sa vie, pour moi, Elekenemou, la trouvera. » L'équivalent se trouve en Marc 8, 35, Luc 9, 24. Et Jean 12, 25 donne « Celui qui aime son âme, la perdra, et celui qui est son âme dans ce monde la gardera pour les siècles. » C'est-à-dire que ce qui est donné sera sauvé, et ce qui est gardé, ce qui est réduit à la possession, sera perdu. Comme si l'arc du don donné, dépassait, surpassait et
survivait à celui qui le donne. C'est donc le don que l'on donne qui sauve celui qui le donne. Le don que je donne me sauve moi qui l'abandonne. À quoi répond, traçant le même arc, mais en arrière, si je puis dire, cette phrase fondamentale de Paul dans la première aux Corinthiens 4, 7, que ne possèdes-tu, que n'as-tu, qui est-ce, qu'est-ce que tu as, que tu n'es reçu, qui est-ce, au hook et la basse et la baisse. Tout ce que tu as, Ekaine, tout ce que tu tiens, tu l'as reçu. Donc, si rien ne tient, rien ne se possède que ce qui est donné, que ce dont on se dépossède par l'arc du don donné, c'est parce que l'on ne possède rien qu'on ait reçu selon l'arc du don donnant, du don reçu. Ces deux règles, nous ne possédons rien que parce que qu'un don antérieur nous l'a donné. Et donc, nous ne sauverons rien qu'en le donnant par l'arc du don donné. Ces deux versants du même paradoxe culminent dans cette phrase toute simple de Matthieu 10, 8. Vous avez reçu un don, donner un don. Ce que la Vulgate glose, mais de manière juste, vous avez reçu gratuitement, gracieusement, donné gracieusement. C'est-à-dire que Dorian et l'abbété, Dorian doté, recevez un don, donnez un don. Le don, ici, est à entendre non point comme l'enjeu d'un échange, mais comme une double gratuité qui vient d'ailleurs et qui va ailleurs. Ainsi, à la possession fixe et centrale qui prétend s'approprier le passé donné et le futur à donner, qui prétend donc, en quelque manière, figer dans le présent, supposé non passant, la bande passante du donné, se substitue précisément l'arc du don qui me précède et qui me succède. L'arc du don, c'est-à-dire le fait que le don vient d'avant le présent et va au-delà du présent, qu'il me traverse et en ce sens me sauve, parce qu'il m'inscrit ailleurs que dans ce que Paul appelle l'arpagmos. C'est dans le célèbre texte de Philippiens 2 où le Christ dit, où Paul dit à propos du Christ, qu'il ne retint pas par force le don qu'il égalait à Dieu,
retenir par force, ravir de force, l'arpagmos, qui veut dire au sens strict le rapt, vient de arpazo, qui veut dire prendre par force, s'emparer par force, ce qui a donné l'arpagon de Molière, l'avare, celui qui transforme toute chose en une possession qu'il s'approprie de force. Le propre du don, c'est qu'il est le contraire de l'arpagmos, du rapt, de l'appropriation qui possède par force. Laisser faire, laisser passer, cette vieille adage des physiocrates prend ici un sens tout à fait neuf et profond, à savoir que le don, c'est ce qui passe, qui laisse passer et qui, d'une certaine manière, emporte celui à travers lequel il passe. Alors il y a ici, et c'est mon quatrième point, à considérer le don comme une détermination, le terme est étrange, hein, j'en suis conscient, une détermination pour ainsi dire ontologique. Le don est une manière d'être des choses. Une manière d'être des choses qui ne se résume pas à la possession et donc à l'échange. L'échange, qui porte toujours sur un objet, l'échange est fondamentalement un changement de possession. C'est l'idée que je ne suis en rapport avec autrui que par ma dépossession d'un objet en échange d'un objet d'égale valeur, à peu près d'égale valeur. Si je fais de bonnes affaires, ce que je reçois dans l'échange est supérieur à ce que j'ai donné. Et si je fais de mauvaises affaires, c'est l'inverse. Mais de toute façon, c'est un problème de valeur d'échange, comme on dit très bien, et la valeur d'échange ne porte évidemment que sur un objet. C'est une affaire de possession qui s'accroît ou qui décroît, mais de possession. Et dans cette possession, si je puis dire, je suis toujours le maître de ce que je possède tant que je ne suis pas mort. C'est-à-dire que je suis, dans la meilleure hypothèse, possesseur d'infiniment de choses, sauf de moi. Puisque si ces choses sont de bonne valeur, elles me survivront. Et donc, je suis possédé par ma possession. Et comme toutes les possessions qui me possèdent, je suis, comme on dit en français, possédé. Et être possédé, ça n'est pas en français peut-être comme au contraire du roman de Dostoïevski, être possédé par un démon. Être possédé, c'est se faire posséder, c'est-à-dire se faire flouer, se faire avoir, se faire tromper. Dans l'échange, je suis possédé par la possession qui me fait croire qu'en possédant, je vais me posséder moi-même. Or, ce que la possession montre chez l'avare qui meurt, c'est qu'il meurt pour avoir voulu posséder quelque chose, alors que ce qu'il voulait sauver, c'était lui-même. Et en un sens, il a sauvé
ce qu'il possédait en l'entassant. Mais pauvre fou, avant que la grange ne soit brûlée, c'est ta vie qui sera reprise. C'est-à-dire que celui qui possède le monde se dépossède de lui-même, il se fait posséder par sa possession. Ce n'est pas qu'il ne restera rien de sa possession, il ne restera rien de celui qui possède. Parce que celui qui possède a cru que c'est en possédant qu'il se sauverait. Et à force de posséder, il s'est dépossédé de lui-même et il les découvre ultimement. Alors ceci vaut pour toutes les possessions, évidemment les possessions matérielles, mais aussi, je vais dire surtout, les possessions morales ou intellectuelles. Il y aurait beaucoup à dire sur l'éternité dans la mémoire des hommes. On peut dire qu'un écrivain, s'il survit dans la mémoire des hommes, c'est parce qu'il a abandonné ses droits de propriété sur ce qu'il a écrit. Et c'est pourquoi il ne maîtrise pas ce qu'il a écrit. Il ne maîtrise pas la signification et la portée de ce qu'il a écrit, et c'est cela qui le sauve. Un vrai écrivain, un vrai penseur, ne possède pas ce qu'il a écrit et ce qu'il a pensé. Et parfois, ce qu'il a écrit ou ce qu'il a pensé ne veut pas dire ce que lui-même croyait qu'ainsi il disait. Et un écrivain ou un penseur est en pleine possession de ses moyens quand il ne prétend pas posséder la fin de ses moyens. Revenons donc sur le don dans sa manière d'être. La manière d'être du don, j'ai essayé de l'exposer dans plusieurs livres dons étant donné, se caractérise par l'inconditionnalité du don. En critiquant à la fois Marcel Mauss qui confond l'échange et le don, et avec Jacques Derrida qui, au bout du compte, pense que le don se définit lorsqu'il s'accomplit correctement par son impossibilité, j'ai tenté de montrer que le don ne repose sur aucune condition de possibilité. Très rapidement, je relève ces conditions de possibilité de l'objet qui ne s'applique pas au don. Le don, d'abord, n'est pas un échange. Il n'est pas un échange parce qu'il peut se produire sans le couple donateur-donataire. Un don sans donateur est parfaitement possible. Il y a de nombreux exemples, mais le plus impressionnant est celui de l'héritage. L'héritage est un don qui suppose l'absence du donateur. On peut dire plus généralement que si le donateur reste présent dans le don, et là, Derrida avait marqué un point, dans ce cas, le don n'est pas complet, parce que la présence du donateur impose l'exigence de la dette, de la reconnaissance de dette par le bénéficiaire. Reconnaissance de dette, c'est-à-dire qu'on peut toujours demander à celui qui a reçu de rendre ce qu'il a reçu. Et si on ne demande pas la restitution de ce qui a été reçu, si de fait le don est vraiment abandonné, il n'en reste pas moins que la reconnaissance, la gratitude, doit demeurer. Celui qui a reçu est toujours l'obligé de celui qui a donné. À supposer que celui qui a reçu ne fasse pas montre de gratitude, qu'il soit un monstre d'ingratitude, dans ce cas aussi, le donateur se sait gracieux, généreux, par comparaison et par opposition
à l'ingratitude de celui qui ne montre pas de gratitude. Et donc, en un sens, il se rembourse. Il se rembourse par l'ingratitude de l'autre, qui, par contraste, lui montre sa propre générosité. Mais on peut dire aussi qu'on peut donner sans savoir à qui l'on donne. C'est d'ailleurs ce que nous faisons la plupart du temps lorsque nous donnons à une bonne cause. Ça nous arrange peut-être de ne pas être confronté à celui qui est dans le besoin, de ne pas nous familiariser avec le malheur de l'indigent. Mais de toute façon, c'est la manière, peut-être en un premier temps, la plus évidemment efficace de donner. Je donne sans savoir à qui je donne et en faisant confiance à ceux qui feront bon usage de mon don. Donc, le don, à ce moment-là, est un don sans retour, puisque je ne sais pas qui le reçoit. Je ne suis même pas tout à fait certain qu'il ait été d'ailleurs transmis, peu importe. De toute façon, j'aurais fait un don, même si ce don est détourné, s'il tombe dans les poches du tyran qui a produit les ceux qui sont dans le besoin, mon don, bien qu'inefficace, sera un don. Donc, le don peut n'avoir aucun donataire. Donc, il peut même y avoir peut-être ni donateur, ni donataire au même moment. Mais de toute façon, ça ne peut pas être un échange, puisque très souvent, l'un des deux termes manque. Mais il y a un paradoxe encore plus grand. C'est que le don n'est pas un échange parce qu'il n'y a pas d'objet échangé. Alors vous me direz, mais si vous donnez un chèque, si vous donnez quelque chose à quelqu'un, vous donnez quelque chose, quelque objet, quelque monnaie. Oui et non. Car en fait, en donnant quelque chose à quelqu'un de démuni, vous lui donnez non seulement ce que vous lui donnez, mais vous lui donnez beaucoup plus. Vous lui donnez une reconnaissance qu'il est un interlocuteur valable et qu'il faut prendre soin de lui, que vous ne l'ignorez pas. Vous lui donnez aussi quelque chose qui va lui sauver la vie ou du moins améliorer sa vie sous un certain rapport pour un certain instant. Et donc, vous lui donnez ce que l'objet ou l'argent que vous lui communiquez lui permettra d'acquérir en sorte de modifier la condition de sa vie. Et en un sens, le don est d'autant plus grand que c'est la vie que vous lui rendez. Vous ne donnez pas un verre d'eau, vous donnez à quelqu'un le moyen de ne pas mourir de soif. Vous ne donnez pas un repas, vous donnez à quelqu'un l'occasion de ne pas mourir de faim. Vous ne donnez pas un vêtement, vous donnez à quelqu'un l'occasion de ne pas mourir de froid, etc. Et c'est pourquoi, quand vous voulez donner vraiment quelque chose à quelqu'un, vous lui donnez quoi? Vous lui donnez votre attention, votre amitié, votre temps, votre présence, et dans certains cas, vous donnez votre vie pour la sienne. C'est-à-dire que vous donnez quelque chose qui n'est pas un objet, et qui est justement beaucoup plus qu'un objet. Vous lui donnez son humanité à lui. Vous lui donnez non seulement, en un sens, ce que vous avez de mieux, et même quelque chose que vous n'avez pas parce que ce n'est pas un objet. Quand vous donnez votre temps, quand vous donnez votre vie, quand vous donnez votre amour, vous ne donnez pas quelque chose. Vous donnez vous-même qui n'est pas un objet et que vous ne possédez pas, que vous avez reçu. Donc, en un sens, prenons le cas beaucoup plus élémentaire que tout le monde comprendra, quand on donne la possession d'une maison, d'une usine, d'un compte bancaire, etc., en un sens, on ne donne rien. On donne une signature, un code, une clé, un titre de propriété.
Ce qu'on donne, c'est le processus même du don qui entraîne un transfert de valeurs, lesquelles peuvent varier. Mais l'essentiel, c'est le transfert. Quand vous donnez le pouvoir à un président élu qui va devenir un président installé, qu'est-ce que vous lui donnez ? Concrètement, rien. Un code atomique, la main sur la Bible, le pallium, s'il s'agit d'un patriarche ou d'un pape, l'insigne du pouvoir est sur son épaule. Sur son épaule, on ne peut mettre que l'insigne du pouvoir, pas le pouvoir. Le pouvoir, au sens strict, n'est rien. C'est pour ça qu'on peut perdre le pouvoir instantanément, dans un conseil d'administration, au conseil comme Mussolini, lorsqu'il perdit le pouvoir dans une réunion ou deux du Grand Conseil fasciste. On perd le pouvoir sans s'en apercevoir, sans le vouloir, sans qu'il ne se passe rien. Le mur de Berlin, on a décidé de l'ouvrir sans que personne n'ait compris qui avait pris la décision, ni même si la décision avait été prise. Donc, le don, en un sens, ne porte jamais sur un objet. Concluons que le donateur, ni le donataire, ni l'objet transmis ne sont dans le don, comme dans l'échange, des conditions de possibilité absolue. On pourrait même aller plus loin en disant que le don, en un sens, n'a pas de cause. Si je décide de faire un don, je dirais que tant que le don est limité, je peux avoir des causes, des raisons de faire le don. Je veux faire plaisir à quelqu'un, je veux montrer ma magnanimité, je veux montrer que j'ai les moyens. Tant que le don a vraiment une cause, on peut dire que c'est un échange symbolique. Les trois cas que je viens de mentionner sont des cas où il ne s'agit pas vraiment d'un don. Il s'agit de se faire admirer, se faire aimer, se concilier les volontés d'autrui. Mais le vrai don se fait pour rien. Je suppose que quand on donne sa vie pour sauver quelqu'un, on ne commence pas par calculer les raisons que l'on a de le faire. Si on commence à calculer ses raisons, on ne fait rien, on ne sauve pas autrui. Quand on donne sa vie pour quelqu'un, c'est sans raison. Et c'est le seul moyen de le faire. Dans la création intellectuelle, c'est sans raison que l'on se lance dans l'aventure insensée d'écrire un livre ou de faire un raisonnement. C'est pour rien. Et c'est pourquoi on ne sait pas si on le réussit. Et on n'a pas à le savoir, d'ailleurs. Donc, il n'y a pas de conditions de possibilité du don comme il y a des conditions de possibilité de l'objet. Le don, d'une certaine manière, vient de lui-même. Il s'impose dans l'instant, peut-être avec une longue préparation, mais au bout du compte, il s'impose par lui-même. Ce n'est pas moi qui prends la décision de faire un don. C'est le don qui se décide pour moi. Et c'est d'ailleurs assez mystérieux de savoir pourquoi certains dons se décident et s'imposent et pourquoi d'autres ne se décident pas. Pourquoi est-ce que le jeune homme riche qui applique la loi finalement se détourne du Christ parce qu'il avait de grands biens? Pourquoi est-ce que les premiers disciples mettent tous leurs biens en commun sans poser de questions? Qui peut le dire? C'est parce que le don est un événement automate qui se met en route de lui-même. Le don n'est jamais impossible. La preuve, c'est que les règles de l'objectivité ne s'appliquent pas à lui, et même les règles de
l'identité, je n'ose pas dire l'ontologie, il ne s'applique pas à lui. On peut aimer quelqu'un qui est profondément haïssable. On peut aimer quelqu'un qui n'existe plus. On peut aimer quelqu'un qui n'existe pas encore. Et peut-être quelqu'un qui n'existera jamais. Et cet amour-là peut déterminer l'ensemble d'une vie. Les cas sont infiniment nombreux. Donc, il est impossible que l'amour ne soit pas possible. C'est l'accomplissement du don. Le don, en général, il est impossible qu'il ne soit pas possible. Cette impossibilité de l'impossibilité tient au fait que le don, libre des conditions de l'objet et même de l'étant réduit à ce que j'en sais, de l'ans ut cogitabile, le don, encore une fois, est automate. Il se met en mouvement par soi. Le paradoxe, c'est que le don est, en ce sens, la chose par soi. La chose en soi par excellence. Et il y a un cas indiscutable du don qui résume ce que je viens de dire. C'est le cas de la vie. Je crois qu'il n'y a aucune définition philosophique de la vie. On a fait la distinction grecque entre bios et zoé. Cette distinction est d'ailleurs elle-même un peu floue. Les deux termes peuvent changer de validité. La biologie, comme le disent très bien les biologistes, la biologie n'est pas l'objet, n'a pas pour objet la vie. Elle a pour objet la reconstitution des conditions physiologiques et matérielles, physiques et chimiques, sans lesquelles ce que nous appelons la vie disparaît, se trouve interrompu. Mais on ne peut donner de la vie qu'une définition négative. C'est l'état dans lequel on n'est pas mort. Mais le corps mort a toutes les caractéristiques du corps vivant, toutes les caractéristiques matérielles du corps vivant. Sauf s'il a été déchiqueté lors de l'accident. Mais la vie, c'est ce qui s'était emparé du corps. Et c'est pour ça que la vie peut quitter le corps. Mais de toute façon, la vie, en général, ce n'est pas ce qui me concerne. Ce qui me concerne, c'est ma vie à moi. C'est d'ailleurs la seule que je puisse expérimenter. La vie des autres, je ne la connais que par analogie. Or, ma vie à moi, je ne sais pas d'où elle me vient. Et je ne sais pas où elle me mène, si elle me mène quelque part. Ma vie, je ne l'ai que parce que je l'ai reçu. C'est le cas exemplaire qui illustre la phrase de Paul. Que n'as-tu que tu n'aies reçu? Et de la même manière, si je veux sauver ma vie, la meilleure chose que je puisse faire, c'est la donner. La donner à une descendance physique, à des enfants. Là, au moins, j'aurais sauvé quelque chose de ma vie. Ou la donner à d'autres vies, pour les maintenir, ou pour aider à les maintenir. Donc, ma vie, je ne la sauve que si je la donne. Si je la garde pour moi, je la perdrai. Ce n'est pas seulement un mystère théologique, c'est une règle anthropologique. Ma vie,
c'est ce que je ne peux ni prévoir, ni programmer, que je ne peux que recevoir, inexplicable et imprévisible. Ma vie est plus moi que moi et m'est totalement inconnue. Elle est ce qui est la possibilité de ma possibilité, de mes possibilités, et d'une possibilité que je ne peux absolument pas analyser, qui me vient d'ailleurs. Donc ma vie, elle est en soi beaucoup plus que je ne suis moi-même. Je suis un effet de ma vie. Je ne suis pas maître de ma vie. L'idée que je puisse maîtriser ma vie, et non seulement, d'une prétention ridicule, risible, mais c'est une contradiction dans les termes. Si j'étais le maître de ma vie ne me ferait pas vivre. C'est moi qui la produirais, et donc elle ne serait pas ma vie. Par conséquent, ce qui est à penser ici, sur le mode de la vie, du don, c'est ce qui ne relève pas de l'objet, et a fortiori, de l'objet contrôlé, c'est-à-dire de la valeur. Il faut donc considérer clairement la vie, le don, comme la contradiction de ce que Locke avait très justement, en un sens, avait défini comme l'identité de soi. C'est un célèbre texte, c'est le paragraphe 44 du second traité du gouvernement. Et c'est sur la véritable origine, l'étendue et la fin du gouvernement civil, 1689. Je lis cette phrase que tu as connue. Il est évident, bien que les choses de la nature soient données en commun, que l'homme avait cependant, parce qu'il est maître de lui-même et propriétaire de sa propre personne et des actions ou du travail de cette même personne, en lui-même le grand fondement de la propriété. Ce que Locke voulait dire, c'est que l'homme est, étant propriétaire de sa propre personne, justifie par son travail, par ses actions, d'être propriétaire, d'être le fondement de l'appropriation des choses dont il est propriétaire. Donc la thèse de Locke, c'était de dire est propriétaire celui qui travaille à s'approprier quelque chose et qui en fait quelque chose. C'est une définition classique de la propriété. Une terre appartient à celui qui la travaille. De manière générale, je définis ce que je possède parce que, me possédant moi-même, je peux prendre possession de ce que je possède en le travaillant. On voit donc que c'est la propriété qui est le point commun entre la propriété de la chose, qui devient mon objet, et la propriété de soi. Cette définition de la propriété est, si je puis dire, en philosophie politique classique, est sans doute correcte. Sa faiblesse fondamentale, c'est qu'elle fonde l'appropriation de la propriété, ce qui n'est pas moi, par la propriété de moi-même. Or, si la philosophie sait quelque chose maintenant, c'est que je ne suis pas propriétaire de moi-même. Donc l'interprétation de la vie sociale à partir de la propriété, ce qui conduit aux apories par lesquelles j'ai commencé, ce qui suppose la propriété de l'objet, donc la production et la consommation des objets et l'échange.
cette propriété ne peut pas être fondée sur la propriété de soi, car il n'y a pas de propriété de soi. Et donc, si une société peut retrouver des liens entre ses membres, ce sera à la condition que chacun de ses membres ne vive pas sur l'illusion qu'il a un droit de propriété sur les choses, donc le droit de posséder des objets, parce qu'il a propriété de lui-même. Et ce sera mon dernier point, et nous revenons maintenant au bien commun, enfin. Le bien commun, avions-nous dit, ne peut être la somme des intérêts particuliers. C'est la contradiction du contrat social. Il ne peut être fondé sur l'hypothèse de la volonté générale, sauf à admettre que la volonté générale vient d'ailleurs. Et à admettre cet ailleurs. La volonté générale, elle a pu être, ne pouvant venir du ciel, on a essayé de la faire monter de la terre. Il y a des substituts à la volonté générale qui sont l'intérêt national, le nationalisme, qui peut virer en idéologie tout salutaire, le nazisme. Cela peut être l'intérêt de classe, qui peut prétendre à l'universalité, mais qui n'y parvient pas, et qui se termine toujours par le socialisme réel dans un seul pays. Ça peut être la race, qui, elle non plus, ne peut pas s'universaliser, à supposer qu'il y ait des distinctions de race, bien entendu. Donc, la volonté générale n'est pas en état de produire une société fondée sur autre chose que des intérêts particuliers. Alors c'est ici que un thème politique, mais aussi théologique, entre en jeu. C'est celui du bien commun. Ce qui est intéressant, c'est que dans les doctrines du bien commun, et je vais reprendre de manière très élémentaire l'une des plus élaborées, qui est celle qui est élaborée par le père Gaston Fessard à la fin du siècle dernier. La doctrine du bien commun suppose que ce qui est commun, ce ne sont pas des objets. Et ce ne sont pas des objets que l'on puisse posséder, produire et échanger. Ce sont des choses en soi qui viennent d'ailleurs. Précisons ces points. Gaston Fessard distingue trois niveaux de communauté. Le premier, ce sont, j'allais dire, les biens communs au sens des biens de la communauté. Ce qu'on appelait les banalités, c'est-à-dire des biens, disons des services publics, qui ne peuvent être mis en œuvre que par l'union de plusieurs. Ça peut être les coopératives agricoles. Dans mon pays, on ne peut faire de fromage qu'avec 300 litres de lait frais. Donc, il faut que plusieurs producteurs se mettent en accord pour avoir une production commune tous les jours de ces 300 litres pour faire une meule de fromage. Eh bien, il y a des biens qui ne peuvent être obtenus que par des mises en commun. Donc, le four banal, les communautés de communes, comme on dit en France, etc., qui sont ordonnées aux biens de la communauté. Mais ces biens restent possiblement des objets d'échange, des objets de l'économie. Donc, ça n'est qu'un premier niveau. Déjà très difficile à mettre en place, par exemple, pour une nation, pour une communauté nationale. Quels sont les,
les investissements que l'on fera en commun pour le système hospitalier, le système éducatif, le système de défense, etc. C'est déjà très lourd de mettre ceci en commun. Enfin, supposons que ça puisse se faire. Il y a un niveau néanmoins beaucoup plus fondamental qui est la communauté du bien. Alors, la communauté du bien, c'est l'ensemble des biens qui ne peuvent apparaître que par la collaboration, je ne sais pas dire la communion, d'une pluralité d'individus. C'est par exemple la culture. Tout ce qui relève de la culture est un artefact, une œuvre de l'art, qui ne sert à rien, qui en un sens ne sert à personne, qui sert à tous et qui n'a de sens que si tous s'y reconnaissent. Alors, ceci vaut bien entendu pour la culture, ça vaut pour la vie commune, ça vaut pour toute la partie de la vie sociale qui n'est pas productive, ça vaut pour la fête et le Shabbat, ça vaut pour l'oisiveté, l'osium, ça vaut pour l'échange gratuit, c'est-à-dire pour l'humanisation de la vie. C'est ce que Dante, dans Convivio par exemple, la quatrième partie du Convivio, fait apparaître comme les vertus de l'animal civique, de l'animal civil. Le zoos, zoon politikon, est d'abord celui qui a les communautés de biens, les biens de la communauté, les biens qui font faire l'expérience de la communauté, qui font que je me sens partie d'une communauté qui, en un sens, est immatérielle, mais qui fait que je suis plus moi-même que moi-même en étant pas seulement moi-même. Et cela, je ne peux le faire qu'à plusieurs. Et enfin, troisième niveau, il y a la communion elle-même. La communion, qui n'est pas seulement la communauté de destin, mais qui est l'expérience, proprement religieuse et en particulier chrétienne, du fait d'une fraternité qui vient d'un Père unique, divin, qui est donné par un Père unique. La reconnaissance du Père unique étant en même temps la sanction de la fraternité. Je ne voudrais pas, il faudrait ici prendre au sérieux l'enjeu et peut-être les limites aussi de la dernière encyclique Fratelli Tutti. J'ai fait quelques remarques à ce sujet. Voulons-nous avoir un père commun? Mais c'est la condition de la fraternité. Alors que ce père commun ne soit pas visible, qu'en un sens, il reste toujours au-delà de toutes nos pensées, de toutes nos expériences, n'est pas un obstacle, parce que le père est toujours en un sens absent. Le père n'est pas là. Et c'est pourquoi il est le père. Donc on peut dire que la fraternité ne peut être universelle que si le père est transcendant. Ce sont des questions théologiques dans lesquelles je n'entre pas maintenant. Mais on voit très bien que la communion devient à ce moment-là, non seulement ça n'est pas un objet, non seulement ça n'est pas une valeur, mais c'est un événement qui advient d'ailleurs comme un don absolument gratuit et qui est la condition de possibilité du lien social, relayé par les deux niveaux précédents, à savoir les biens de la communauté et la communauté du bien. Ici, on comprend la phrase de Claudel. Ce que tu nommes échange, je le nomme communion. Ce que tu nommes échange, je le nomme communion. Et ce sera mon dernier point. Cette expérience du bien commun, qui s'exerce comme une contrainte, car nous ne sommes pas portés au bien commun, nous résistons au bien commun.
Ce que nous voulons, c'est la promotion de notre bien individuel, particulier, de la communauté, de la secte proche. C'est, le bien commun s'exerce avec une force considérable sur notre temps. Et je prendrai deux exemples. Le premier, c'est l'évolution de la notion de paix. Notre temps est un temps de paix, non pas parce que nous sommes en paix, mais parce que nous ne faisons plus la distinction entre la paix et la guerre. La paix, en quelque manière, coexiste assez bien avec la guerre. Pourquoi ? Parce que nous avons compris qu'une guerre mondiale deviendrait une guerre finale et universelle, et donc destructive. Donc, pour continuer à faire la guerre, il faut garder la paix. C'est le changement fondamental, sans doute pour le bien, de l'ère atomique. L'ère atomique contraint, pour continuer à faire la guerre, de garder la paix. Alors, c'est un bien commun qui s'impose parce que c'est la condition du mal quotidien. Alors, c'est une étrange paix, c'est un étrange bien commun, mais c'est un bien commun. C'est-à-dire que c'est, si tous évitent la guerre ouverte, chacun pourra continuer des guerres partielles. Mais nous ne nous sommes pas encore détruits. Et c'est ce qui est en train de se passer avec la crise écologique. Personne ne veut renoncer à la consommation effrénée. Personne ne veut renoncer à la croissance. Personne n'hésite à augmenter la dévastation de la terre et de l'environnement. Mais tout le monde est obligé de le faire si l'on veut garder une consommation marginale, une croissance marginale, une dévastation marginale. C'est du bien commun de force. Alors sans doute, ces deux biens communs de force, où le mal conspire au bien malgré lui, ne sont pas encore la fraternité, ne sont pas encore le véritable lien social. Et c'est pourquoi ils n'anticipent pas sur la Jérusalem céleste. Je ne rêve pas. Mais ils sont l'indice très clair que le lien social ne peut commencer à s'imposer que si nous sortons, ou du moins nous limitons, l'objectivation du monde. L'objectivation du monde interdit le lien social. Et c'est pourquoi la question de philosophie politique du lien social, du bien commun, devient maintenant une question de philosophie tout court. Et ce que je regrette beaucoup, c'est que les philosophes politiques soient de mauvais philosophes. Car, en fait, depuis Hegel, ce sont de mauvais philosophes. Pourquoi ce sont de mauvais philosophes ? Parce qu'ils n'ont pas intégré sérieusement les conditions métaphysiques du problème, à savoir le nihilisme. Je vous remercie de votre attention.